Le 2 juin dernier, les résidences-services Villa Médicis inauguraient leur dernière résidence à Dijon. Une résidence senior nichée dans un écrin de verdure, à la fois au calme et à proximité immédiate du centre-ville. On est très heureux d'avoir inauguré aujourd'hui la Villa Médicis Dijon Petite Roche. Après de multiples années de travail, c'est l'aboutissement de travail de toute une équipe qui aujourd'hui prend son envol. Ici, au Petite Roche, on est au milieu d'un parc d'un hectare et demi, au milieu de la verdure, à deux pas des bus, des commerces. On est à la campagne, au cœur de la ville, proche de tout. C'est un endroit paradisiaque. Une Villa Médicis, c'est une belle vie. Une vie choisie par les résidents. Ici, on vient y vivre. Et je veux dire, on y a le droit au bonheur, témoigna une de nos premières résidentes. Tout y a été conçu pour que les résidents n'aient pas à s'adapter à la résidence, qu'ils se sentent chez eux. Avec cette volonté, toujours présente, d'élever les services vers le haut, de proposer une restauration toujours plus gastronomique, de proposer un cadre de vie toujours plus valorisant. C'est ainsi que les Villas Médicis sont devenues l'excellence des résidences-services pour seniors. Le maire de Dijon, François Rebsamen, a souligné lors de l'inauguration la qualité de l'environnement et de la construction du bâtiment. Sa devise, c'était faire bon et faire bien, je m'en rappelle. Je sais que vous vous inscrivez, cher Xavier, cher Édouard, dans la philosophie de votre père, mais qui est celle, on pourrait dire, de l'esprit Ségère. Et avec vous, je n'ai pas de doute, il va perdurer longtemps. L'entreprise Ségère, à travers ses constructions en France, c'est tout à la fois un exemple, une réussite à Dijon, mais c'est aussi ce qu'il fait à l'extérieur. Donc ça renvoie l'image de Dijon à l'extérieur. Donc c'est une forme de popularisation de l'image de Dijon d'un certain nombre d'entreprises. Quand on a la chance ici, par exemple, d'avoir une résidence senior service comme celle-là dans un parc magnifique, on se dit ça contribue au rayonnement de la ville. La relation entre l'entreprise et la ville, c'est une sorte d'aller-retour. On l'aide à créer son environnement et elle, par sa qualité, sa production, elle contribue au rayonnement de sa propre entreprise et le rayonnement de Dijon. Après un an et demi de travaux, un peu plus de 80 logements sont désormais disponibles. L'équipe de la villa et quelques résidents qui ont d'ores et déjà pris leur quartier sont prêts à accueillir les futurs résidents. On a commencé à mettre en location il y a déjà quelques mois et on a une dizaine de résidents qui sont déjà parmi nous et qui vivent dans ce bel environnement. Je suis là depuis le 15 mars. Je suis la première personne qui est habitée ici. Il y a plusieurs sortes d'appartements différents. J'ai choisi celui qui me convenait le mieux en place, en emplacement. Ça compte beaucoup, Donc je suis en pleine façade avec le soleil. Pour faire découvrir aux Dijonnais le lieu et le concept, la résidence service Villa Médicis Dijon Petite Roche organise des visites estivales tous les mercredis de juillet et août à partir de 17h. Un moment privilégié dans un cadre exceptionnel pour découvrir un nouvel art de vivre.